Et c'est partidos pour le 23e épisode de Paper Mario 64. Oh là. Voilà, Bébard m'a laissé aux portes du boss, hein, comme d'habitude, loul. Enfin voilà, quasiment aux portes du boss, on n'est pas vraiment... Putain, on a un Goombario dans le cul. On n'est pas vraiment aux portes du boss, mais vous m'avez compris. Je crois qu'on est dans un truc où c'est moi qui vais toujours me taper les boss, mais bon, c'est pas un souci. Tu es coincé dans une boucle temporelle. Attends, ils ont 4 de défense. Ah, c'est vrai qu'il faut utiliser ça. Ah, pété! C'est vrai qu'ils bougeaient pas, eux. J'attendais, ouais. Oh! Ouais. Elle est pas rouge? Ah non, c'est que quand tu... D'accord. Oui. Je pense que c'est la même chose. Apparemment c'est pas ça. LOL. Non, ouais celle-là. On dirait que bon, tu peux activer. Ah, y a peut-être... Attends, je sais pas. On dirait que ça sort du mur. Soit c'est mal texturé, soit il y a un truc à faire. Et hey, trampoline l'objet. Ça c'est bon. C'est bien un truc d'argent. Oh putain. Ah attends. Non. Il faut que tu lâches avant en fait. Ah oh, putain l'autre, j'aurais dit bon moi. C'est un badge de feu, t'as vu? La bite capitaliste. Loul. Ça remplace l'avion en papier, j'ai l'impression. Diminue de 1 les dégâts infligés par les ennemis. Car. Pirate. Y avait pas un truc que. Ah non, là-bas y'avait rien. C'est de la droite pour voir. J'ai. Non, putain! J'ai raise la salle comme un connard. Poussant dans le cul. Personne. Eh, j'avais pas été à droite. Oui. J'ai continué à gauche, moi. Oula. Oh putain, flashback. à mon avis, non, c'est pas ça qu'il faut. Ouais, non, mais attends, je la prends, on sait jamais. Bonne initiative. Que là, t'imagines, t'es coincé en fait. Tu descends, tu montes. Putain, il y en a plusieurs. Hein. Ce temps d'arrêt était. Ouais. C'était pour te faire peur, les. Et la robe t'a vu. C'est vrai qu'il y avait juste à passer comme ça en fait, je suis con. Bah par contre, ouais, si. Ouais. Mais en soit t'as amélioré le... Sushi à cramer. Sushi n'est plus cru, il est cuit. Cuit. On peut le péter avec une... Bah non. Il faut peut-être trouver un marteau plus puissant. Ouais, non, c'est pas sympa, elle. Ça m'a un marteau quelque part qui est caché. Oh. Il y a forcément un endroit qu'on n'a pas fait gaffe. Et je me demande où. Et là, tiens, j'étais allé. Ouais, je sais pas si j'étais allé là. Ah non, il n'y a pas été là. J'étais pas. C'est une copie paste hein, de la première salle. Oui. Il va y avoir un. Mario détecté. Oui, bon, ça va pas. Tu vois. Alerte. Alerte Mario, alerte Mario. Écoute-moi ça. Heureusement que tu n'es pas juif. J'en aurais pris plein le nez et vu que j'ai un gros nez, ce serait ça si j'étais juif, c'est ça. C'est ça la blague? Non, sérieux, est-ce que j'ai compris, c'est ça la blague? Non. Bah, t'as dit juif. On dit que les juifs ont un gros nez pour les blagues.
Donc, ouais, mais techniquement, s'ils ont un gros nez, s'ils ont un gros nez, ils peuvent respirer plus de paix, c'est ce que je veux dire. Ils peuvent respirer plus de gaz. Elle va pas dans le, elle va pas dans la lave. Elle... Imagine, elle va dans... Imagine, on l'utilise, elle crame, il n'y a plus de partenaire. Ouais, putain. T'es sûr qu'il faut... T'es sûr qu'en top, il passe, là? Mais oui, non, mais en haut. En haut? Oui, mais non, mais non, il est bien trop nul. Imagine un Mario Pepper Nuzlocke, et genre... il meurt, et puis du coup, décoincé. Ouais, ça serait débile. Ouais, c'est sérieux, c'est pas très grave. Ouais, tu m'utilises enfin, je suis très content. Et maintenant, on va pouvoir faire plein de choses avec. Et tu... Bon, là, je crois que j'ai compris ce qu'il faut faire. Un pont, comme dirait Karl Marx. Ouais, mais c'est débile. Ah oui, ça va bloquer la lave. Des cubes en plastique qui bloquent la lave. C'est... Après, voilà. On sait rien, ça se trouve, ils sont en acier. Et ce qui est complètement con, c'est que Mario, maintenant, il va marcher dessus, alors que le machin, il est à 1000 degrés, le sol. Oui, ça chauffe. Hop top, putain, hop top, il brille aujourd'hui. Ah, mais bref, je peux l'utiliser. Hop top facteur. Imagine, tu sors de chez toi, tu vois un gogolard miroir sourire et il t'apporte le courrier. Oh putain, Rob Top. Non, Rob Top, c'est pas vrai. Rob Top est trop putain. Ouais, tu peux. Oh putain, il y a les ennemis. Oh putain. Je les croyais plus loin que ça. Oh putain. Oh putain. Qu'est-ce que c'était merde. Il a une queue de Yoshi, le mec. Oh, mais y'a plus de PF là, vas-y. Il a une queue de Yoshi. Oh, qu'est-ce que tu fais, lui? Oh, sa mère. Et c'est marrant parce que les Koopas, les Kamekars là, les Magic Koopas, ils savaient pas où les foutre et ils les ont foutus un peu dispersés dans le chapitre. Oui, tout à fait. Moi j'en ai rien à foutre, hein. Bon, de toute façon, bon, j'ai plus de PF et j'ai machin, c'est bon. C'est qu'un Koopa magique qui vole sur un balai de chiasse là. Ouais, Black Pau, en plus il fait 2. Ouais, mais. Il l'évite, il touche pas le sol. Je crois que c'est le bloc pot, c'est tous les ennemis. Parce que si. En gros, les ennemis, les trucs que tu peux pas utiliser, ça te le met, je crois. Bon, si c'est pas, ça marche pas, on coupe une couille à Hop Top. Il y en a deux. Ah, c'est bon. Ouais, mais enfin, potentiellement. À l'heure actuelle. Il y avait deux ennemis, donc si ça marchait pas, ça aurait marché pas deux fois, théoriquement. Oui. Donc, du coup, on aurait copié les deux couilles. Vas-y, casse-toi, laisse-moi récupérer l'argent, espèce de connard. Oh, c'est vous le avez même. L'ultra marteau, la puissance augmente, en plus vous pouvez détruire les blocs en métal. Attends, il va faire 5 le marteau, là. Impressionnant. Il est pas un chompe. C'est bien, on peut aller là-haut. Ah bon, on peut aller même là. Ah, j'avais il y avait aussi un partenaire amélioré là-bas. Attends, mais... Et ça peut être en bas. Attends, mais c'était une... C'est une boule bleue, ça veut dire que... Attends, je sais pas. Oui, j'ai pas été en bas, mais attends, j'ai envie d'améliorer... un partenaire. De faire du partenariat. Et ouais. C'est ce que j'avais dit, en plus. Sus. Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Tu m'empêches de save. Allez, save. Qu'est-ce qu'il fout là, sérieux? Bon, t'as dit, il est con, hein. Bon, fantastique, hein, tu es sûr qu'il sort qu'un trésor par là-bas. Mais ce bloc nous empêche de passer. Ah, peut-être que... Ah merde, du coup, c'était l'heure. Oh, excellent, Mario, pas le temps de traîner. Ah merde, ça veut dire que c'est là, du coup. Après, c'est un vieux qui te parle, hein, ça veut rien dire. Ah, oh, c'est lui. Oh putain, qu'est-ce qu'il a? on dirait bien un trésor. Un trésor, mon vieux, pousse-toi à moi d'abord. Putain, il va faire le grand plongeon. Mais qu'il est con. Oh, mais qu'il est con! Mais il est débile, putain! C'est la première fois qu'on l'a vu, je le pensais chaud, hein. Du coup. Oh, putain! T'as vu, je me suis dit, ça doit être à la lumière, là? Elle. Il a le cul cassé. T'en fais pas pour moi, je vais épousseter un peu par ici. Oui, d'accord. J'ai mal, au secours! Voilà.
Oh non, avec ceci, que... vous pouvez donner un niveau. Ah. Bon, là, on a tout le monde qui est amélioré. Hein. Ouais, ça sera pas Rob Top déjà. Gumbario, tu penses? Bon, c'est le premier. Hein. Allez. Après, il y avait Sushi aussi, mais Gumbario, je vais voir. Ça se trouve, c'est quoi qu'il va avoir de plus? Juste. Gumbario passe en rang ultra. Et c'est donc... quoi son attaque? Est-ce qu'on peut voir sur Startar? Oui, c'est ce que je vais faire. Voir habilité. Multibon. Ah oui, comme Gomeli, oui. Des coups de tête tant que vous réussissez la commande d'action, ok. Lui, il a mal au coccyx. Après, les gens, comment ils font pour savoir? C'est un petit peu comme les pubs de médicaments, tu sais, où les gens ils balancent toute leur vie, ils crachent tout leur grand mort pour dire ce médicament n'est pas destiné à la grossesse. Oui, oui, ils vont mourir, ils respirent même pas là. Edine 300, traitement symptomatique à effet différé de la gêne fonctionnelle et de la douleur de l'arthrose de. Mais non, mais c'est tout ça parce que. Tout ça parce que c'est trop cher les pubs. Mais oui, oui. Et toi, on a. Et du coup, ils parlent comme des gogolards et on comprend rien. C'est vrai. On a la preuve que toi, Pete, il fait de la pub, il arrive même pas à faire sa pub quand il meurt, alors. Ah non, mais où je vais? Putain, mais c'était même pas là. C'est tellement grand aussi. Oh putain, t'as fait. Non, ah non, si ça va. Ah, mais putain, Rob Top. Il faut qu'il serve. Hein. Oula. Oh putain, t'as fumé, Saïd. Mais. Je sais pas si tu le montes d'un niveau et si tu le bats lui. Enfin, ça dépend s'il est plusieurs. Lol, il est plusieurs. Paralysso, oh. En cas de succès, tourner la cible. Ça peut être pas mal, mais ça dépend combien ça prend. Quoi. Eh bien, Jamy. Merde. Ça prend. Un. Bon, pas dégueulasse. Être... Et quoi, un là y a, y a ah, un, attends, un, ouais, il nous met... reste encore un truc là, c'est vrai. Comment ça se fait qu'il nous reste un truc? Je peux oublier un truc. Bah, du coup, on met. Chaud devant. Ouais. Ah ouais, ouais, ok. Ouais. C'est pas mal. Gumbario boosté multibon, mais je peux dire que tu fais un carnage là. Hein. Il te fait des. Attends, 3. Il te fait des 8. ça réduit. Cool. Ah. Avec une flamme qui googolise mon partenaire aussi. Bien ça. Oh merde, j'aurais dû prendre. Ok, c'est quoi? Comme je sens que ça va venir. Ouh là, tu prends goût. Tu prends goût sinon. Je sais pas si c'est une bonne idée en fait, parce qu'il arrive vite. Hein. En fait, non, on aurait dû. En fait, je savais pas s'il accélérait, tu vois, mais bon, je pense pas que Nintendo serait amusé à faire ça, tu vois. Ok, c'est bon, on passe d'un tout juste d'un niveau. Ça va, 6 points. On rapporte plus grand chose. Hein. Bon, j'ai envie d'améliorer les PS. Putain, ouf, ça va. Oula! Ah! Attends, mais. Hein? La corde a sauté. C'est la meilleure façon. Non, sérieux? Oui, il change de sens. Ah putain! Oh, attends. Mais ça me touche pas là. Ouais. Oh putain. Sushi grillé. On peut être bien bon, sushi cramé. Hein. Très copie. Oula. Putain de merde. Il y a un ton Google.
tombe là-haut, là, il va tout péter, en fait. Putain, il gogo, oh, là, non, putain. Non, là. Vas-y. What the fuck. Ah, ouais, c'est ça. Mario, attends un instant, je suis trop vieux. Selon mes sources, le trésor caché devrait se trouver par ici, je vais avancer encore un peu. Il va se prendre le truc dans la gueule. Ouais. En plus, il est con, hein, parce que l'autre, il reste à droite. Ah, c'est ça, hein. Et je te dis, moi, anticipe Dumbo. Vengeance. Tu crois que je fais Dumbo? Oui, sinon on coupe une coupe à... on coupe une coupe à... couillère au top. Ça l'a enlevé? Non, c'est... En fait, j'étais en train de le faire, ça avait pas marché, je l'ai refait une deuxième fois et du coup, bah ça l'a enlevé. Ah ouais, putain, ça t'as vu la gueule qu'il avait l'autre? Putain, vas-y, c'est con. J'ai dû venir à faire, ma pauvre carapace. Un œuf au plat sur la place des yeux. Wouah! Mais ça devient Cursed! En plus, Mario le laisse crever. Bah, il a raison. C'était drôle. Putain, il s'est vite réveillé. Ah oui! Presque, nous y sommes presque! Mais sans s'aiguiser de chasseur de trésors, pense à s'affoler. Mon intuition me prévient que. Il est par là. Ah ouais. Putain. Il va se faire défoncer lui. Hein. Il n'y a pas de save bizarrement. Peut-être en bas. Ah tiens, ouais. Il l'avait caché, voyons donc. Jacuzzi. Mais attends, lui il est parti là-haut, mais. Mario en approche, identifie comme étant à la recherche de l'esprit étoile, alerte communiste pour l'événement chef. Alerte, alerte. Alerte communiste. Écoute, moi je passe par là, hein. Le chef, du coup, c'est que le chef, c'est une piranha 3 tétards. Et l'autre, il est parti là-haut, c'est ça qui est bizarre. C'est là. Waouh. Regarde, j'y arrivais Mario. Bande de crapules, vous leur voulez esprit étoile. Crapule qui vient voler esprit étoile, être puni. Toi rien volé ici, rien. Nous emprisonner esprit étoile, nous avoir ce volcan à nouveau volcan. Nous allons brûler toi. Alors, c'est un piranha lave. Ils ne craignent pas la chaleur et peuvent vivre dans la lave. 40, ok, puissance 5, défense 0. Il souffle de grosses boules de phare pour attaquer. Oh, la belle communiste. Waouh. C'est vrai qu'elle a plus de classe que tous les boss qu'on a vu avant. Hein. Par contre, 40 de vie, je trouve un peu ça short. Je sens que l'autre, là, il avait plus. Hein. Sus. Oh, putain. Oh, putain, je crois qu'ils allaient parler, moi. Il y a un zoom sur eux, je crois qu'ils allaient parler. Elle. Oh putain, oh putain, oh putain. Loul. Oh putain. Ok, ça compte comme 3 personnes. C'est chaud là. Fleur de feu, ça sert à rien. Attaque pigeon. Pierre, pierre. On va déjà faire ça. Donc ça fait 7. Ou 6. Et tu prends comme Mario, tu le boostes, tu fais multi-bon. Bah, le truc, c'est que comme il y a des pics, je sais pas trop. C'est... Ah, oui, 7, 7, 7. Bah, moi, je pense qu'il sauterait sur 7 étards. Hein. Ah, la logique. Bah, bon. J'ai doute peut-être que ça fait plus mal vu que c'est une fleur de feu. Une plante. Non, 6. Loul. En plus, ça zoome sur lui. Là.
Ça va faire 4 ça? Ouais, ça sert à rien. Ça coûte 4 PF. Je peux pas faire de marteau. Ah, c'est marrant, je peux pas faire de marteau. Ah, bah oui, mais il est dans la lave, c'est vrai. Essaye un saut. Ouais, mais la hitbox, j'ai peur de la hitbox là. Ouais, tu vas échapper. Ouais. Cool. Elle est trop haut. C'est dangereux. Attends, essaye. Non, t'avais le truc là qui te donne de en acier, comme ça t'es pas touchable, je crois. Pourtant, Mario, il vaut mieux faire ça et attendre d'avoir de la un vieux pour t'aider. Un vieux, un papier, des jambons. Ça va être chaud là. Mais c'est possible, Art. À part s'il se prend de la vie. Non, c'est rien. Puis en plus, il attaque Mario donc. Ça. Et j'appuie ouais, en même temps, on sait jamais. Ouais, ouais. Ok, c'est bon. Ah ouais, ah oui, c'est plusieurs tours, c'est bien ça. J'ai pas dit combien de tours. Un certain temps. Est-ce que j'ai compris 6. Mais lol, mais il est caca ce boss en fait. Ouais, ce que je dis, il est pas terrible. En plus, il sait même pas parler. Si c'est un expresseur, tu sais pas parler. Hein? Non, ça vient d'une YTP Pokémon, ça. Ouais. Ah. Mais il dure combien de temps, ce... Lol. Un point. Ah. Un bœuf. Papier. Loul, vénard. Putain, heureusement qu'on avait... cette casquette art, hein. Ouais. Alors on va terminer avec un coup de ventre. Mais attends, il y a pas 40, c'est pas possible. Loul. Mais non, putain, il y a que 40. Mais c'est quoi ce boss de merde? Attends, il y a pas d'animation. Il y a pas d'animation. Oula. C'est pas fini. Oh putain. Non. Il n'y avait pas d'animation. Je le savais. Ah oui, j'étais sûr, 40. Oh putain, la 80, la salope. Waouh. Ça va être chaud, hein. 8, ouais. T'as eu. 8, ouais, c'est bien. Ah Mario, tu ne te battras pas tout seul. Colorado, la rescousse. Ya. Ça brûle, putain. Mais c'est con. Désolé mon vieux, j'ai fait tout ce que je peux faire. Les gogoles. Oh. 3. Et encore j'ai paré. Oh sa mère. Et j'ai réussi encore à parer. Oh non. Oh putain. Oui. Attends, et j'ai confiance en ce que je fais. Le Googleise. Googleise le petit boule communiste. Ouais. Sinon je peux rien faire. Ça l'a étourdi. Ouais. Alors attends, il y a encore un tour l'autre. Ah putain, les deux. Ah merde. C'était pas prévu ça. Ah les trois. Ok. 3 jets d'eau, je le tue, mais le problème c'est que. C'est le gros qui a la vie, donc. Ouais. Si je fais un coup de ventre, c'est gagné. Ça fait 4, oui. Voilà. Bon, voilà. C'est plié. Dis-moi que c'est plié. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Ah bon. Voilà qui est bien. C'était sympa. Fantastique. Plus rien ne nous sépare du trésor. Maintenant, allons-y. Il se prend une tourbe dans la gueule. Oh merde. Ah non, c'est l'étoile, c'est vrai.
Bon, elle va pas revenir trois fois quand même. Oui. Alors, qui ça va être? Pas le rose, là. Ah, si, c'est ça. Voilà, c'est la rose. J'ai envie de sauvegarder avant. Ben, je me fais écraser par un tomp et c'est game over. Terrible piranha lave s'est fait punir au fin fond de son antre sur le mont Lavla. Et finalement, c'est con parce qu'on n'est pas allé voir le trésor. Oh putain de merde. Mario, par ici, dépêchons-nous. Ah, de la lave et il faut suivre une espèce d'étoile princesse. Ça me rappelle Zelda dans Ocarina of Time. Oh, regardez, il y a... Hey, monte le vieux, là. Ah, le trésor. Non, on dirait une sorte d'étoile de mer. Putain. Il est con. Qu'est-ce qu'il fait? Ça ne va pas, l'aventure se termine jamais avant la découverte du trésor. Ah, évidemment, cet horrible monstre devait le cacher quelque part. Ça doit être ça. Je vais faire demi-tour. Il va se cramer. D'où vient cette secousse? C'est sans importance, sans doute. Des enfants en train de jouer au trésor. Non mais attends. What? La lave, elle se rapproche, on doit fuir. Non, le trésor. Mario, le volcan va rentrer en éruption d'une minute à l'autre. Vite, il y a Bombinette. Il faut utiliser Bombinatar. Mais c'est évident, il faut utiliser Bombinatar. Mais putain, il faut utiliser... Aïe. Hop là. L'épisode va pas finir tout de suite, je crois. Mario, dépêche-toi. Oh. Ah, le trésor. Je le savais, enfin le trésor. C'est vrai, je peux pas le résister. Aïe. 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 Mon trésor, non. Oh, ça fait terre à brûler. Oh, putain. Oh là là. Eh bien. Waouh. Mais c'était long. Et c'était drôle aussi. Hein. Donc merci d'avoir suivi cet épisode. Alors peut-être que ça dépend si c'est si long que ça, autant tu le fais en deux parties, je sais pas, on verra. Anyway, portez-vous bien.